Bonjour, ici Rachel, c'est la Saint-Jacques. Bélier, il vous sera demandé une organisation rigoureuse dans votre emploi du temps. Trouvez les mots qu'il faut et agissez au bon moment, sinon vous culpabiliserez après. Taureau, jour de succès professionnel, il faudra être combatif et entreprenant pour que les choses deviennent enfin faciles. Vous devez choisir, demander à l'univers une inspiration, une intuition, une décision, sans vous faire de soucis. Oh, dis donc, ah ouais Rachel, t'as pas fumé un truc. Gémeaux, votre sagesse naturelle vous permet de voir clair en vous et dans les autres. Ne vous laissez jamais décourager dans la poursuite de l'amour. Cancer, personne ne réussira à vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Souvent, une porte se ferme sous votre nez, puis la porte par laquelle nous avons besoin de passer s'ouvre. Faites confiance à votre instinct. Lion, si vous entamez une action sans vous attendre au meilleur, eh bien, cette action n'aboutira pas. Vierge, signe fort du jour, tâchez de vous sourire de l'intérieur. Fiez-vous à la puissance qui vous habite. Entendez votre guide intérieur. Faites votre choix, sans vous soucier du reste du monde. Balance, signe amoureux du jour, quelque chose que vous attendez se révèle positif. La vie est un boomerang. Nous recevons ce que nous pensons et vous allez le constater aujourd'hui. Scorpion, le blâme est une arme de la négativité. Il nous tient enfermés dans notre colère et nous empêche d'aller de l'avant. Il suffit simplement de lâcher prise. Sagittaire, il n'est jamais trop tard pour agir conformément à vos rêves. De petites occasions sont souvent à l'origine de très grandes entreprises. Capricorne, besoin de trouver des idées sans cesse. Vous avez besoin de savoir, les peut-être, les on verra, n'ont aucune place dans votre raisonnement du jour. Verseau, prenez le temps de vous aimer, de vous apprécier. Alors vous prendrez conscience que vous êtes la personne magnifique que vous aimeriez être. Poisson, vous vous motivez, vous êtes enthousiaste, il y a des confrontations directes qu'on ne peut pas éviter. Prenez le temps d'écouter ce qu'on vous dira. Ici Rachel, un beau jour commence pour inscrire en nous le rêve, le sentir et décider d'y croire pour qu'il finisse par se réaliser.